Salut mes couillas, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau week-end hein, qui n'était absolument pas prévu à la base. Je me dépêche de faire mon intro parce qu'il y a le contrôleur qui arrive. Donc ce week-end c'est à Arras. Donc je vais voir donc Maxime, Red et Paro. Je sais pas si Aurélien doit passer. Normalement ça devait être juste le week-end prochain à Douai, le week-end spécial qu'on avait programmé, mais finalement j'ai essayé de bouger mon cul à Arras. Et je suis là. Voilà. Donc à part ça, mes couillasses, je vous laisse profiter un peu du soleil. Moi, j'espère que vous allez bien. Puis je vous fais une bise à tous ceux qui regardent cette vidéo. Attends, mets-toi debout. Non, viens de chez nous, on bouge pas de même quoi. Non, on va avoir mal au but. Debout, viens, tout le monde debout là. Après, c'est une vache pour piscine, cette culotte. Il y a freestyle. Non, c'est le Daesh. Ah bon? C'est moi la touffe Super Saiyan. Bon, Vegeta là. Attends. Non, c'est plus Trunk. Mais toi là-bas. Ouais, c'est plus Trunk. Ah. Regarde, je vais te le faire. Oh putain, il va me faire l'exorciste. Sur sa tête qui va dépasser là. Coucou ma couille. Ça, c'est... Super Saiyan. Ah normalement, il y a des trucs jeunes et tout. Ouais, mais bon, on s'en fout. Toujours à la fenêtre avec la lumière dans le dos là, comme un dieu. Bonjour, je fais des vidéos sur internet et je suis chômeur. Voilà. Et il gratte son jeu. Et je gratte mon jeu en direct. Ça vlog. Tu as gagné à l'euro million. Donc voilà. Hamdoulila. Non, allez, sérieux. Sinon, moi, j'aime avancer. Quoi? C'est à moi? Oh, ouais. Chiot. Je m'appelle. Bra, il s'appelle Bra. Il a 45 ans. Non, je m'appelle Damien. Pas le mytho. Non, il s'appelle Dao. Oh. Non, je m'appelle Antoine, alias Ed B. Ta gueule. Et j'ai 18 ans et je suis musicien. C'était beau. Il fait de la polka dans les métros. Alors, comment je m'appelle? Non. Vas-y. Non. Bah, je m'appelle John. Nido. Je vais lui lancer ma chaise lui avant la fin, je le sens. Lui, il va pas finir la journée lui là-bas là. Toi, tu vas te décéder avant la fin. Je m'appelle Patrick Bruel. Ouais. Patrick Bruel. Non, je m'appelle John, j'ai 18 ans et bah, j'étudie au lycée Savary. Et tu fais de la musique. Et je fais de la guitare. Voilà, tu veux faire un kiff. Bon, on verra. Ouais. Tu peux dire toujours vivant à ta voix. Toujours vivant. Ouais. Ouais, toi là, toi qui ouvre ta gueule tout le temps là, avec ta tête. C'est quoi ce qu'il arrête pas de dire depuis tout à l'heure? Ouais. Non. Non, c'est Mélissandre. Ah non, c'est bon, je le sais. Vas-y. Alors bonjour, je m'appelle Claude. Mytho. J'ai 17 ans. J'ai le cancer. Les testicules, bien sûr. Et j'étudie le Savary en restauration. Pourquoi tu mens? Mais les testicules, elles tombent. T'as retrouvé les missiles ou pas? J'ai pas retrouvé les missiles. À moi, du coup? Bah oui.
Valentin. Le changement de tête que ça fait. Bon, Valentin, 18 ans. Je me lance dans les vidéos YouTube aussi. Et j'écris beaucoup. Voilà. T'écris voilà. beaucoup. Il est au lycée Savary. Normal, t'es au lycée, c'est normal. Ferry. T'as fait. Ça a changé. Oh, ta gueule, elle est bougée de retourner à Savary, de toute façon. Voilà. Jonathan, ça a pas du bonjour, coup. Moi je m'appelle Jonathan, je suis alcoolique et la chatte à Mireille. Mais il faut te filmer en fait. Non, je me filme jamais pendant les vlogs. Non, non, Mito. Il ta gueule, toi. Mes couilles sur ton front. Non, vas-y. Ah. Voilà, c'est tout, je suis alcoolique et la chatte à Mireille. Du coup, bah voilà. Et je filme. Et voici un roumain. Alors Maxime, du coup, ça doit te présenter. Après, ça sera Benoît. Ouais, bonjour. Ouais, on va faire ça jusqu'à 17h. Bonjour, Bernard. Bonjour. Bernard. Bernard, ouais, t'as pas présenté Bernard. Bernard, faudrait que vous vous présentiez. Bernard, mais... il vous l'aurait vu. Vous ah oui, vous présentez Chouclou, Sylvain. Alors, tu peux dire deux mots pour la part de Marine, qui n'est pas là. Benoît, je t'attends. Ah, moi, je pensais que tu as... Nique ta mère. Non, non, c'est moi. Non, Marine. C'est à moi. D'ailleurs, je vais voir si. Ah, Marine. Ah, d'accord. Bonjour, Marine. Est-il vrai que vous êtes converti à l'islam par l'imam de Drancy? Nique ta mère. Benoît. Ce fut la phrase claire et précise de la présidente du Front National. Ben, voilà. Clash pas Marine. Hein Marine, il t'a clashé. National. On ne clash pas, on ne clash pas la prophète. Pardon. Bonjour. Nique ta mère. C'est un. T'as perdu. Ah, il y a quelqu'un qui a perdu. Oh merde, il a perdu. Hein? Présentez-vous. Vous êtes qui? On se fait comme reprendre. Viens, on va cramer un immeuble. Pourquoi t'as marqué encore? Bah oui, c'est le week-end. Alors. Ouais. Nice. C'est applaudi avec mon blanc. C'est les notes aiguës moi qui me font bander oui, quoi. Vraiment. Oh, c'est le son en fait. Ouais, quel ça c'est... Oh, calme-toi, calme-toi. Les notes aiguës font bander la B. Oh, mais pourquoi? Ça a mis tes noirs. Je n'ai que ma meuf et le pied aiguë. J'imagine si tu te fais tuer. Tu connais le film Skylet. Tu connais le groupe? Ouais, c'est dans Terminator. Oh Skylet. Giving Color. Quelle ta force là ici. Invisible. J'ai jamais essayé. I'm never gonna say. C'est ça, c'est ouais. Quelle ta personnalité. I need a hero. Bah, si c'est l'affaire. Non, attends. Oh, c'est kiffant. Jouissif. Je prends la canette. Ah ouais, si. Je te dis, avant de rentrer, tu te calmes. Aéronautique. Regarde, celle-là, c'est celle-là. C'est là. Hein? Du Van. Oui, du Van ouais. Non, c'est pas. Attends, il y en a une de Daft Punk. Oh, Robot Rock. Get Lucky. Get Lucky. Intellectuel sur le PC, travailler. Salut. Ça va être. Salut, le bébé. Salut. Tu vas le mettre sur non. Ouais. On va rigoler beaucoup tout le temps. Mais oui, ma couille, c'est bien. T'auras ta médaille en chocolat. Oh, et mets le chocolat. Mais 90% de cacao, celui qui est bien cuit. Moi, chocolat. Chocolat. From Berlin. From Berlin. Ah, je t'aime bien. Google. Écoutez le professeur qui parle. Sais, t'as déjà tu connais la musique de Téléfoot là, c'est qui fait Téléfoot. Oui. Ouais voilà. Là, c'est quoi déjà celle de Téléfoot? Tu sais faire ce truc? Hubert Montagné, j'adore ça. Patrick Sébastien. Ah,
Viens, Daube. Attends. Stefano Di Mariano. Stefano Di Mariano. J'ai demandé à... Tu connais pas Stefano Di Mariano, toi? Qui? Stefano Di Mariano. Tu connais pas, non? Le film. Elles sont dingues dans mon slip. Ah bah si, oui, tu me sers. Stefano Di Mariano. Le beau gosse. Bon, par où je bande. Oh, par où? Reprendre donc mes enfants. Bienvenue à Saint-Laurent-de-Blangy. Vous pouvez voir un terrain, des bâtiments, un rond-point, le beau Benoît. Bonjour. Bonjour. On a passé une journée relativement sympathique et là monsieur va chercher ses valises et s'en va. Rentre dans sa douce demeure. Fais un bisou à Laetitia, tiens. Fais une. Roule une pelle. Je te mange la minche. La minche. Moi je vous fais un bonjour. Et à Aiden aussi. Eh connard, je parle. Voilà. Et tu sais, Benoît t'a trompé à l'instant. La kékette molle. Tu bandes mou ma couille. Non. Non, c'est non pas le moment où t'es tombé, juste après. Ça je me loupe à chaque fois. Oui mais tu pourrais prévenir quand tu vas faire de la merde. Que j'allume avant ma caméra quand même. J'adore ton caleçon Michael Jackson. Look, elle était prêt. Oh. Stupid dick. Oh, faut que je pisse. Faut que tu pisses. Il y a du viol, il y a du viol là. Il y a du viol. Ça, faut qu'il pisse maintenant, c'est risqué. Hein. La MMO, c'est... Oh là, c'est risqué. Ça faisait de la viola molle. Oh. Oh. Hey, je vous ai prévenu. Hein. Oh, c'est lui, qui, a, fois, c'est lui qui est face à la lumière, comme un dieu. Quel con ce mec. Bonjour, aujourd'hui nous interviewions une divinité. Nous ne voyons pas trop son visage parce qu'il y a la lumière qui... Mais c'est pas grave, beau gosse. Vous êtes dans la matrice. Oh putain. En plus ça change rien, on va toujours rire. C'est pas grave, tu es un beau gosse, c'est tout ce qui compte. Eh hey, tout le monde rigole et tout. Oh, je vais vous montrer une vidéo. Attends. Je sais pas si vous allez voir. J'espère qu'on va voir. J'espère. Je vais bouger de là. On verra peut-être mieux. Ah, oui, la lumière. J'aime la lumière. Regardez le front de cette belle. Arrête. Ce fait... front qui a été heurté. Voici la preuve. Ce n'est pas un trucage. Voilà. Enfin, il s'est vraiment explosé sur le plateau. Non, non, il a fait exprès, mais il s'est éclaté quand même. Ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait senti le besoin. Ça allait avec la façon. Et nous avons un quart CSQT des NL. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ouais, gros. Nous allons perdre Benoît, c'est triste. On s'en fout, on le revoit le week-end prochain. Voilà le dernier. Bande de chanceux. Eh, gratte-toi le cul, vas-y. Genre la star qui pleure. Le monsieur qui va. T'imagines, il tape. Viole pas trop de gens, s'il te plaît. Ou alors filme au moins. Hein. Et évite les grands-mères, hein, parce que c'est pas très très beau à l'écran. T'imagines, on doit ça faire la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, ma gueule. Ciao. Bonne nuit, bonne bourre. Et fais quelque chose pour ces hémorroïdes, ça devient grave. Le prisonnier. Coucou ma couille. Ah le beau gosse là, avec sa tête là. Ah ouais.
J'ai un mot gros. Pour tous ceux qui sont pas avec nous, nous on va au kick. Beau gosse. Nous on va au kick. Voilà. Boire un thé et manger des Big Burger. Tiens, faites-nous le Kairi 78. Big Burger. Big Burger. Big Burger. Ah oui, on aime quand c'est big, hein. Ah, ma couille. Quand c'est big, c'est vieux, hein. Hop, hop là, il s'est pas suffisant dans mes bras au bowling. Ah, si je dis que c'est pas suffisant dans mes bras, c'est parce que, oui, aujourd'hui, je suis vraiment pacifique. Du coup, ça va commencer, les gars. Voilà, on fait un bowling. Voilà. Monsieur Red nous doit faire le bowling. Et moi, j'aime pas ça, le bowling. Mais c'est pas grave. La prochaine fois. Alors, le frangin Red P va tenter de lancer la boule, hein, avec amour. Réussira-t-il à faire c'est un score pas si simple, hein. Acceptable. Oh, c'est quand même un beau score. Maintenant, avec délicatesse, nous avons le Watchman qui va lancer la boule avec passion et plaisir. Regarde comment je rentre les doigts dans... Mettre les doigts dans le trou, ça sent le vécu. Là. Ah, alors nous avons le Watchman ou Bernard, lequel des deux avant nous qu'est-ce que ça va donner? Oh, quel professionnalisme. Je suis admiratif devant tant de nullité. Qu'est-ce qu'il vient de faire, ce cochon? Alors, Bernard va-t-il faire mieux que Maxime? Nous le saurons tout de suite. Allez, c'est parti. Autour de Bernard. Allez, Bernard. Courage. Bernard, tu gênes, hein? C'est bon. Hop là. Ah non, tu me dis 803 comme écrit là. Je suis obligé de faire un comme lui. Ah, mais fan. Ah, mais oh. Je voulais une boule verte glace. Oh, verte glace. Oh. J'ai pris la boule verte glace. Et je vais tirer les quilles pour mes fans et ma maison de disques. Voilà, avec intro, avec amour et un. Ça me fait pas les fans. Et à Laetitia et à Aiden. Bernard est un tricheur. Dieu salopard. Parce qu'il veut gagner, ce bâtard. Même en faisant ça, c'est de la merde. Moi-même, je m'emmerde Pacifique. Bah, il termine lui-même parce qu'il sait très bien qu'il a gagné. Oui, c'est parti. C'est pour vous, la team. Parce que je vous aime. Non, c'est pas vrai, moi. Toi, ta gueule. Oh hop, hop, il a triché tout le long de la partie. Il a mis des barres. Ouais, c'est là, il a fait genre... C'est pas bien d'être mauvais joueur, merci. C'est pas vrai, je pense. C'est qui fait le toboggan? C'est pas vrai, je suis pas mauvais joueur. C'est qui le toboggan tout à l'heure, hein, salopard? C'est bon. Et c'est sur ce dernier lancé bah, s'il pas réussi, que nous ta gueule que nous a... Ah,
sur ce dernier lancé. Mais putain regarde, il est nul. Sur le dernier lancé, il envoie la balle. Ouais, bah je suis sûr, elle était le grand gagnant. Vous, la team. Nous attendons l'écran total. Roulement de tambour. Il fait exploser toujours la même boule. Et le roulement de tambour pour le grand gagnant. Je vous le demande. Et bah voilà. Ouais, c'est encore 84 en fait. Hein. Ah bon? Non bah en fait c'est pas encore tout de suite le grand couronnement. Cette boule, c'est pour vous tous. Voilà. Ça va l'emmener très haut. Il nous a absolument explosé. Red B a un score de 71. Watchman a un score de 57. Giscotti DX 104, mesdames et messieurs, 104. Alors que j'aime pas le bowling. Ouais, c'est ce qu'il arrête pas de dire. Pour débuter une volée de partie, contactez l'accueil. Qui est le meilleur joueur de la partie, c'est moi. C'est Maxime le meilleur. Ouais, c'est moi. Eh ouais. Regardez-moi, 104. Merci, une prostitute. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Fidèle. Bonjour, monsieur Fidèle. Quel est ton nom? Eddie Malou. Comment ça s'écrit? E-D-D-Y-T-D-U-N-O-M-A-L-O-U. Ah. Qui veut dire l'estime du savoir. Connaissez-vous les Waller? Les Waller. Mais oui, c'est clair. Après, je sais plus. On s'en bat les couilles. Tu connais les Waller et oui, c'est clair. Je vous en prie. Je dis ça fait ça dans un bar. Moi je vous sentirais con. Là là les beaux gosses. Voilà. Ça c'est de la chorégraphie ça, voilà. Le déo il a fait. Ouais, j'allais te le demander en plus. Il est content. Voilà. Bon, il faut le prendre. Grosse paire de chaises. Non, mais monsieur ne veut pas de cette chaise parce qu'il y a une merde de piaf dessus. La discrimination, c'est vraiment dégueulasse. Je vous le dis, monsieur, je vous crache à la gueule. Votre commentaire, monsieur, sur cette odieuse personne. Voilà. Et votre commentaire sur ce qu'on appelle ici communément une vitrine. De magasin. Voilà, de magasin. Aimez-vous le choix qu'on vous propose? Nous ne parlerons pas de quoi. Mais aimez-vous le choix même, voilà. Aujourd'hui, je vous avoue que j'ai pas encore été réellement gâté. Oh si, car on vient d'arriver. La dernière. Il y en a qu'une. Oui, mais elle en valait quand même pas mal. On vient d'arriver. Et à ce qui paraît que ça va se réveiller dans peu de temps. Il y a intérêt, donc, parce que nous, on veut de la vie, on veut de la vitalité. Je vous donnerai mon avis après. Voilà. Je vais inventer un mot, tiens. Le réveillage de la place. Du bébé froid. Parce que je t'ai mon magasin. Oh. Beau gosse. T'es mon magasin, bébé froid. Comme dirait Bruno, la ville d'Arras. Il a dit. Hein, il a dit quoi? Il a dit les cons. Comme dirait Bruno, qui n'est. Ah, tu n'es pas là, Bruno? Connard. Il est où le super-héros? Infinite Light. Hein, il est où Infinite Light? Infinite Light! Là-bas.
la bite. C'est mec. La ville d'Arras est un magasin de cul. Bruno. Bonjour, bienvenue dans Cauchemar en cuisine, je suis Philippe Elgebest et aujourd'hui on se retrouve à Arras où des restaurateurs ont besoin de notre aide. Alors on va tester un kebab au hasard. On va demander l'avis à des clients que nous allons croiser au hasard, l'avis sur cet établissement que nous allons peut-être par la suite aider. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Je suis Philippe Elchebest pour l'émission Cauchemar en cuisine sur M6. Alors, je viens tester cet établissement et la cuisine qu'elle propose. Auriez-vous un avis construit sur la nourriture qu'il propose et les tarifs? Et le personnel, bien sûr. Monsieur? J'ai visiblement affaire à un homme très déstabilisé psychologiquement. Peut-être que la cuisine et l'ambiance en salle en est la cause. Nous allons tester son collègue. Bonjour monsieur, vous avez entendu ce que je viens de dire? La cuisine est-elle bonne? Visiblement cet établissement met des psychotropes dans sa nourriture, ce qui explique l'état déplorable de ces deux cas sociaux que nous venons de croiser. Visiblement des déchets humains. Nous allons tester une approche plus courtoise. Alors... Wesh ma couille, moi c'est Philippe Elchebest. Je suis l'émission Cauchemar en cuisine, ma gueule. Alors le kebab il est bon ou quoi? Il est bon bien? Garde un œil sur les photos. Bon, visiblement, il est possédé psychologiquement, ce cas social. Mais nous allons pas faire cet établissement parce que c'est de la merde, alors qu'ils aillent se faire enculer. Et le mot de la fin pour le handicapé mental là? 2 euros. Mon frère handicapé. Connard. Monsieur Red B cherche le Pokémon. Est-ce que ça mord au niveau des Pokémon? Tu l'as eu ton Oseraptor? On ne voit pas. Oh lolo. Eh oui, Jean-Louis David. Oh, lolo. Professionnel. Jean Didier nous a fait un petit dérapage. Alors la chasse au Pokémon, gosse. Qu'est-ce que ça donne? J'ai capturé un cochon d'Inde. C'est pas comme ça qu'on monte sur un vélo de ma jeune demoiselle. Oui. À moins que tu veux avoir le guidon dans la chenette, ce qui semble être le cas. Mais cela te regarde. Je suis pas content, hein. Non, c'est bien. Voilà, hein, il nous a caché la vue, ce bâtard. Gros bâtard. C'est un gros bâtard. Ouais, franchement. Tu crois marrant, toi? Non. C'est parti. Se touchant au revoir. On s'en bat les couilles à la semaine prochaine. Oui, bah ouais, on se voit la semaine prochaine, c'est cool. Quant à toi, on se reverra. Vous voyez la semaine prochaine. Ouais, mais on arrangera ça. On fera un Skype quand même, genre un truc après ta soirée ou voilà, ta soirée. Je vais me faire coucou, ouais, je suis au week-end, mais en fait non. Genre, je suis dans la... Bon, on essaiera d'en faire plus souvent à Arras. Est-ce que c'est un compromis qui te va? Oh, yeah. Voilà, yeah. Moi j'aime bien Arras. Le magasin. Arras, c'est une très belle ville. Ouais, non, c'est mais... une ville de... De belles choses. Voilà. Voilà. Y compris des belles choses. Et les gens sont sympas, ils font pas la gueule, ils sont souriants. Voilà. Donc le frangin a plus, hein. Merci. Plus. À dans 5 jours. Ouais, bah ouais, dans 5 jours, ça va passer vite. Très vite. Ouais. Bon. Voilà. Bah voilà. À la prochaine. Oh, c'est bien. Eh, laisse-en un peu pour la mise que tu viens de croiser. Ah, y a de quoi manger maintenant. Ça va, respire. Attends. T'as le gros blanc qui sort après. Ouais. Ah, le blanc, il aime ça, cochon. C'est la lue qui collait dans ma gorge. Et ça sort là qui fait beau. Putain. Ouais. Bon, bon. Allez. Allez, je vais y aller. À la sinon, prochaine. Le Oupa. Papa va crier. Ok. Allez, ciao. À bientôt. Au revoir. Bisous. Bisous, Bibi. Bon, Malik. Allez, ciao. Bon bah mes couillasses, une fois de plus on est à la fin du week-end, hein. Je filme la conclusion ici parce que j'ai eu des petits problèmes de train entre Paris et chez moi, ça a été plus long que prévu, donc je n'ai pas eu le temps de tourner la conclusion, même dans le TGV, d'habitude je peux tourner aussi dans le TGV, mais là j'ai été endormi comme une merde en fait, je me suis posé comme un vieux cake. Pardon. Alors ce week-end très sympa, très reposant. C'est vrai que c'était un week-end qui n'était pas prévu à l'avance, mais alors pas du tout, encore une fois. Le week-end prochain, donc bah ouais, bah le week-end prochain, on se retrouvera déjà à Douai avec, avec le monde qu'on aura, on verra. Hein. En tout cas, il n'y aura pas Red, malheureusement.
Mon raid, tu vas manquer vivement le prochain week-end où j'aurai la chance de te voir. Et bah sinon j'ai pas grand chose à dire, à part que oui, je vous conseille encore une fois fortement la ville d'Arras, c'est une ville magnifique. Les gens sont sympas, cool, tranquilles. Ouais, parce que ça m'a fait vraiment, je dis ça, ça m'a fait vraiment du bien ce week-end. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Hein. Merci à ceux qui ont regardé ce vlog, si éventuellement ça vous a intéressé. Puis bah je vous fais une grosse bise à tous. Bise mes couillasses, puis prenez soin de vous. Ciao.